Je vais t'exposer maintenant la méthode pour demeurer dans la réalité indifférenciée qui inclut tout. Cet enseignement est secret et difficile à comprendre, même avec l'aide de nombreuses saintes écritures. Même les êtres célestes et les pratiquants de disciplines spirituelles qui l'ont tenu pour chair l'ont acquise avec difficulté. Suis ce que je dis, et en plongeant dans la réalité, sois heureux. Mon enfant, les sages réalisés disent que l'inhérence absolue dans la réalité signifie devenir un avec l'immuable, tranquille, l'être suprême absolu non duel, qui est être conscience béatitude et le soi de tous, et faire du mental baladeur un avec cela, comme l'union proverbiale du lait et de l'eau, absolument libre de tous les concepts. Quand on scrute la variété de la manifestation, on réalise qu'elle n'existe pas réellement, et que tout est l'indifférencié être suprême absolu, qui n'est pas différent du soi et de soi-même. Fais en sorte que cette connaissance devienne ferme par une pratique constante. Alors, détournant ton regard de tout, deviens un avec la réalité suprême absolue, et demeurant en cela, sois heureux. Demeure en tant que cela, en quoi il n'y a ni pensée, ni imagination, ni paix, ni contrôle de soi, ni mental, ni intellect, ni confusion, ni certitude, ni être, ni non-être, et aucune perception de dualité, et sois toujours heureux, inébranlable, et absolument libre de la peur qui monte de la dualité. Demeure en tant que cela, en quoi il n'y a aucun défaut, ni aucune qualité, ni plaisir ou douleur, ni pensée, ou silence, ni misère, ni austérité pratiquée afin de se libérer de la misère, ni idée « je suis ce corps », ni objet ou n'importe quelle perception, et sois toujours heureux, libre de toutes les traces de la pensée. Demeure en tant que cela, en quoi il n'y a aucun effort, ni physique, ni mental ou verbal, ou de n'importe quelle sorte, ni péché ou vertu, ni attachement avec ses conséquences, et sois toujours heureux, libre de toutes les traces de la pensée.
tant que cela où il n'y a ni pensée, ni penseur, ni création, préservation ou dissolution du monde. Rien n'a aucun moment. Et sois heureux, libre des traces de la pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucun pouvoir d'illusion limitant le soi, ainsi que ses effets, ni connaissance ou ignorance, ni âme séparée ou seigneur de la création, ni être ni non-être, ni monde ni Dieu, et sois heureux, libre de toutes les traces de la pensée. Demeure en tant que cela, en quoi il n'y a pas de Dieu et leur adoration, ni aucun des trois aspects divins du Créateur, Préservateur et Destructeur, ou méditation sur eux, ni Dieu sans forme suprême, ni méditation sur lui, et sois heureux sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucun esclavage mûrissant vers des bonnes œuvres, ni recherche de dévotion au divin, ni sagesse consciente, ni fruit de l'action à savourer, ni état suprême séparé de lui, ni moyen d'obtention, ni objets à atteindre, et sois heureux toujours, libre de toute trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a ni corps, ni sens, ni force vitale, ni mental, ou intellect, ou imagination, ni ego, ni ignorance, ni personne qui s'y identifie, ni macrocosme ou microcosme, et sois heureux toujours, libre de toutes les traces de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a ni désir, ni colère, ni cupidité, ni illusion, ni mauvaise volonté ou orgueil, ni impureté de l'esprit, ni les fausses notions d'esclavage et de libération, et sois heureux, libre de toutes les traces de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a ni commencement, ni fin, ni sommet, ou bas, ou milieu, ni lieu sacré, ou Dieu, ni offrande, ou acte pieux, ni espace, ou temps, ni objet de perception, et sois heureux toujours, libre de toute trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucune discrimination entre le réel et l'irréel, aucune absence de désir, aucune possession de vertu, aucun espoir de libération, aucun maître compétent ou disciple, aucune connaissance établie, aucun état réalisé, aucune libération de son vivant ou après la mort,
rien de tel à aucun moment, et sois heureux toujours, libre de toute trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a pas de saintes écritures ou de livres sacrés, personne qui pense, aucune objection ou réponse, aucune théorie à établir ou rejeter, rien d'autre qu'un soi, et sois toujours heureux, libre de la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela en lequel il n'y a aucun débat, succès ou échec, aucun mot et son sens, aucun discours, aucune différence entre l'âme et l'être suprême, aucune des multiples causes et conséquences, et sois heureux, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucun besoin d'écouter, réfléchir ou pratiquer, aucune méditation à pratiquer, aucune différence d'égalité, inégalité ou contradictions internes, ni mots et leur signification, et sois heureux toujours, libre de la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucune peur de l'enfer, ni joie céleste, ni monde du Dieu créateur ou d'autres dieux, et rien qui puisse être obtenu d'eux, ni autre monde ou univers de n'importe quelle sorte, et sois toujours heureux sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucune trace des éléments, ni aucun iota de leurs dérivés, aucun sens du jeu ou mental, aucune imagination mentale, aucun défaut d'attachement, aucun concept quel qu'il soit, et sois heureux toujours, libre de la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucune des trois espèces de corps, corps physique grossier, subtil interne, ou sans forme et plus subtil encore, le rêve et le sommeil, rien des trois sortes d'âmes, celles qui sont pleinement préparées à l'avancement spirituel, celles qui sont moins préparées, et celles qui ne sont pas préparées du tout. Aucune des trois sortes d'afflictions, celle du corps, celle causée par les éléments, et celle causée par les êtres subtils et les pouvoirs spirituels. Aucune des cinq couches fonctionnelles, physique grossier, vitale, psychique émotionnelle, mentale, et celle de béatitude sans forme. Et personne pour s'identifier à elle, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a ni objet sensible,
ni pouvoir de masquer la réalité, ni différence d'aucune sorte, aucun pouvoir de projeter des objets irréels, aucun pouvoir d'aucune sorte, aucune notion fausse à propos du monde, et sois heureux toujours, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en lequel il n'y a aucun organe d'essence, ni personne pour les utiliser. Cela en lequel la grâce transcendante est expérimentée. Cela qui est absolument immédiat, qui donne l'immortalité quand on le réalise et qu'on l'atteint. Et le devenant, on se libère du cycle des naissances et des morts, et sois heureux encore, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, en réalisant et expérimentant la grâce. Toutes les joies apparaissent comme les joies de cela, qui, clairement connu pour être soi-même, montre qu'il n'y a rien qui soit séparé de soi-même. Et le sachant, toutes sortes d'âmes séparées sont libérées, et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela, ne réalisant qu'être soi-même, il n'y a rien d'autre à connaître. Tout devient connu et tout but est accompli. Et sois toujours heureux, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela qui est atteint facilement quand on est convaincu de n'être pas différent du suprême absolu. D'où résulte, quand la conviction devient ferme, l'expérience de la suprême grâce du réel, ce qui produit un sentiment de satisfaction incomparable et complet quand l'esprit est absorbé en lui. Et sois heureux, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela qui conduit à la complète cessation de la misère quand la conscience est absorbée en lui et à l'extinction de toutes les idées de je, tu et l'autre, ainsi que de la disparition de toutes les différences, et sois heureux toujours, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela en lequel, quand l'esprit est absorbé en lui, un demeure sans second. Rien d'autre que soi n'est vu comme existant, et l'incomparable grâce est expérimentée, et sois heureux, sans la moindre trace de pensée. Demeure en tant que cela qui est être indifférencié, une conscience indifférenciée, une grâce indifférenciée, absolument non-duelle, la réalité absolue indifférenciée.
et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela qui est je, aussi bien que tu, aussi bien que tous les autres, qui est la base de tout, l'un sans second, extrêmement pur, totalité indifférenciée. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. En tant que cela où il n'y a plus ni concept, ni quoi que ce soit d'autre. Là où l'ego cesse d'exister. Là où les désirs disparaissent et où le mental et toutes les confusions arrivent à extinction. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela où il n'y a plus ni conscience du corps, ni les diverses fonctions de l'existence manifestée, ni aucune perception des objets. Demeure en cela où le mental est mort et où l'âme devient une avec la réalité, les pensées dissoutes et vides de toute croyance. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela où il n'y a plus aucune pratique méditative, plus aucune ignorance ou connaissance ou activité d'aucune sorte. Demeure en cela qui est la réalité suprême. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela où, lorsque l'on y a complètement fusionné, on éprouve le bonheur pur et plus jamais la misère. Dans cela où l'on ne voit rien. Dans cela où l'on ne renaît plus. Dans cela où l'on ne se prend jamais plus pour un individu séparé et où l'on devient le soi. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela qui est vraiment la réalité absolue et suprême, Dieu sans forme, l'être absolument pur, l'état suprême, la conscience absolue, la vérité suprême, Sat, Chit, Ananda. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela qui est l'être suprême, absolument pur, le bonheur absolu, l'être profondément subtil, brillant par lui-même, non d'eux et indifférencié. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux.
demeure en tant que cela qui est la vérité absolue, la tranquillité suprême, l'être éternel sans attribut, le soi, l'être suprême indifférencié. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Demeure en tant que cela, qui est tout du point de vue de l'expérience et rien du point de vue absolu. Le Sat Chit Ananda, l'être conscience félicité, toujours tranquille, avec rien de séparé de lui, l'être existant par lui-même. Et avec la ferme conviction que tu es cela, sois toujours heureux. Je t'ai clairement expliqué comment être un avec le soi, en te rappelant constamment que tu es un avec lui, tu peux atteindre cet état de bonheur permanent. Et après avoir fusionné avec le soi, tu n'éprouveras jamais plus la misère provenant de l'identification avec la naissance et la mort. Tout est l'être suprême qui est Sat Chit Ananda, être conscience félicité. Et je suis cela en cultivant sans cesse cette pensée pure et en me débarrassant des pensées impures. Puis, mon enfant, te débarrassant même de cette ultime pensée et résidant sans cesse dans l'état de plénitude, tu réaliseras l'état non-duel et indifférencié. Les pensées pures et impures sont une des caractéristiques du mental. Il n'y a aucune pensée errante dans le soi. Demeure par conséquent en tant que cela et libère-toi des pensées impures du mental. Reste tranquille comme une pierre ou un rondin de bois. Ainsi, tu seras toujours heureux. En pensant constamment au soi et en oubliant toutes les pensées, y compris les pensées sur le soi, tu deviendras le soi. Même un grand pécheur qui entend et comprend cet enseignement va être délesté de ses péchés et devenir le soi. Les nombreux textes spirituels ont déjà largement prescrit la méditation comme moyen de purifier le mental. Pour que ceux qui ont déjà atteint la purification du mental puissent atteindre aisément la réalisation et le bonheur absolu et illimité, il suffit de rester tranquille comme un roc au sein de l'indifférencié et du Dieu sans forme. J'ai déjà exposé la nature de cette réalisation. Par conséquent, après avoir atteint la pureté du mental, en pensant constamment que tout ce qui est connu est le soi,
et que le soi est en fusion totale avec la réalité absolue, la réalisation peut être obtenue ici et maintenant. Moi, le sage Ribou, j'ai parlé de la vérité de cette manière et je l'ai exposée ainsi que le plein état d'être à Nigada. Lorsque l'on est convaincu que l'on est toujours celui qui est Sat Chit Ananda et que l'on réside en cela, dans un état de fusion complète, on se débarrasse des liens illusoires de l'identification avec la naissance et la mort et on atteint la libération. Ceci est la résultante de la danse totalement heureuse de notre Dieu indifférencié.